Nous, en tant que parti IPDS Gamiwanga ou parti d'opposition, on a dit qu'on ne peut pas participer aux élections qui ne sont pas bien organisées, qui ne sont pas crédibles. Les élections qui sont organisées par le parti au pouvoir seulement, qui ne veut pas associer les autres partenaires. Aujourd'hui, il y a ce troisième mandat qui est le nœud de tous ces problèmes qui se passent au Burundi. Il y a des réfugiés, il y a des manifestants qui sont tués, il y a vraiment le chaos dans le pays. Et vous savez qu'il y a eu sommet à Dar es Salaam des chefs d'État qui ont demandé à ce que on puisse un peu prolonger la date des élections au moins d'un mois, minimum un mois et demi. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas si on peut aller dans ces élections qu'on a organisées alors que tout ce qu'on a demandé comme la sécurité de tous ceux qui vont participer aux élections pour qu'ils puissent aussi faire campagne n'est pas là. Aujourd'hui, on voit, on a demandé à ce que les réfugiés soient retournés et au Burundi. Ça, on n'a pas encore fait. Alors, il y a aussi la question du troisième mandat. On a demandé à ce que le président de la République ne puisse plus briguer ce troisième mandat parce que c'est anticonstitutionnel. Nous, nous voyons que nous ne pouvons pas participer à ces élections parce que ce sont des élections qui ne seront pas crédibles.